Salut les amis, c'est White, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque j'ai trouvé un concept, je pense, très sympathique mais aussi très risqué pour cette chaîne YouTube. Ah. Donc je disais, je pense que j'ai trouvé un concept super sympathique mais très risqué pour cette chaîne YouTube, c'est-à-dire que tu perds, tu supprimes une vidéo de ta chaîne. Ça va être assez insane, sachant que on va se forcer à ce que ce soit des vidéos à plus de 100 000 vues. Il y en a beaucoup sur cette chaîne YouTube. Et ce sont des séries que nous pourrons réaliser effectivement sur n'importe quel jeu. Donc si à l'occasion j'ai envie de faire un PUBG, un Fortnite, un CSGO, un Rainbow Six, perds ta game. Tu supprimes une vidéo à plus de 100 000 vues. Et pour une chaîne YouTube, ça fait mal au cul. Et là, t'as un peu les nerfs parce que, en vérité, je suis en caleçon. Mais ça, tu ne peux pas le voir. Parce que ce cadre est fait spécialement pour ça. Faut que je me motive parce que... Beaucoup de pression sur cette game, si celle-ci est perdue, je perds une vidéo à 100 000 vues sur ma chaîne YouTube. Ok, tout va bien. J'ai entendu un petit truc au top là. Le bait, qui c'est qui réussira à baiter qui? Et il m'a complètement niqué parce que je sais pas où il est. Et voilà, c'est terminé. Ouh, c'était terriblement chaud. 5 versus 1, on a très bien joué, je vais aller récupérer le diffuseur ici. Et on va aller sur site, toujours s'occuper des rumeurs, ne jamais laisser personne dans son dos. Et c'est un round gagné. Parce que bien évidemment avant cette vidéo je ne me suis pas échauffé. C'est la première game de la journée comme d'habitude. Normalement vous savez que pour ma première game je pue un peu la merde. On va attendre, patiemment on va sortir. Voilà, au moins ça c'est un spawn kill qui passe, c'est cool. Je vais pouvoir remonter, peut-être dans le garage, peut-être ailleurs. Le garage n'est pas fermé. On va remonter par ici, tranquillement, en espérant que je me fasse pas taper dans le dos. Et c'est un Thatcher qui est tombé. Oh, t'imagines, là, je mets une balle, ça rentre instant. Ping. Voilà. Ok. Reste une personne. On a une bonne escouade, là. On a une bonne escouade. C'est pas aujourd'hui que je supprimerai cette vidéo YouTube, moi, je vous le dis. Nous allons regarder Zeiken. Zeiken qui s'est inséré, qui fait vraiment très attention à ce qu'il fait. Il est très vif sur les appuis. Je comprends ce qu'il fait. Il essaye de prendre la décale tout simplement, de regarder s'il y a l'adversaire. Il lui a mis la tête énorme. La décale était incroyable. Deuxième décale faste de Treko qui est en train de prendre la formation, qui rentre et qui effectivement se fait découper sur la ligne. C'est à 1 versus 3 de la hache qui n'a toujours pas bougé de sa position très bien. Qui est toujours en. Elle est toujours en mode jeu. Oh, je sais pas. C'est la meilleure hache du monde. Hein. C'est comme ça vraiment qu'il faut basiquement jouer hache. 1 minute 10. Toujours pas d'insertion. On reste à l'extérieur. Ah, on est très très serein sur ses appuis, on est très distant. Surtout ne pas perdre de vie et laisser tous ses collègues mourir, hein. Surtout tout ce qui est breacher, c'est-à-dire la Zofia, faut la laisser crever, la Dokebi, la Ivana, je savais même plus comment elle s'appelait, la Ivana, faut tous les laisser crever. Hein. Maintenant on va observer Treko qui se déplace délicatement dans la cash room, qui prend la décale côté de l'escalier, qui flash pour effectivement les blanchir dans les scams et qui ne comprend pas où sont les adversaires et qui a lavé le bandit tout simplement. Situation de 1v1 peut-être pour le 3-0 du père Treko qui est en train de jouer sa vie et qui joue relativement bien d'ailleurs. On ne peut pas lui prendre d'informations. Il a entendu l'adversaire qui est dans son dos tout simplement. Que va-t-il faire Treko qui est en train de regarder ce qu'il peut faire, analyser toutes les possibilités. Il a juste à prendre la décale de la porte parce que ces connards n'ont pas fait de rotation et normalement c'est full win. Et c'est Treko qui l'a fait. Alors autant il manque de couilles, autant il a un jeu très très intelligent. Hashtag Treko, hashtag Free Treko dans les commentaires. Si vous soutenez Treko et que vous regrettez tout simplement tout ce que j'ai dit à son égard, Free Treko dans les commentaires. D'ailleurs si vous voyez changer de display souvent c'est normal, hein, je suis en train de me préparer pour la Challenger League, j'essaye de chercher le display optimal à mon jeu tout simplement. Donc j'essaye le 4 tiers, le 3 demi, le 16 dixième, le... C'est normal, hein, je vais changer souvent de display en faisant des tout petits ajustements de sensibilité. C'est très important pour moi de me sentir vraiment 100% à l'aise et de trouver mon gameplay total avant cette nouvelle Challenger League. Chose qui ne m'est jamais arrivée, j'ai toujours joué avec des trucs qui me plaisaient à peu près sans jamais vraiment me sentir confortable. Ndiaye, je ne suis peut-être pas très compliqué comme garçon là. Hop là, si celle-là elle était passée, j'aurais vraiment beaucoup rigolé. Le terme énorme de White. Là, je vais vous expliquer à quel point mon move est stupide et ridicule. Je me fais encercler, je suis en roaming. Tout le monde sait que je suis dans le garage. Donc je tiens, je suis en train de faire perdre beaucoup de temps. Regardez, il y a 1 minute 30. Donc là, si les autres jouaient sur BP, ce serait vraiment très bien. Il y a 1 minute 30 et
J'en tue un au niveau de la porte. Je sais qu'il y en a en dessous. Et je me casse de l'autre côté au niveau de la fenêtre du serveur. Comme si c'était chez moi. Alors que, bah en fait, je repars pas en territoire conquis. Je suis pas avec mes mates. J'ai pas d'informations. J'ai rien. Donc j'aurais dû me douter que potentiellement, il peut y en avoir un qui arrive au niveau de la fenêtre. Et moi, ce calcul-là, je l'ai pas fait du tout. Et c'est en partie à cause de moi qu'on perd le round. Donc c'est le premier round des adversaires. On manque sur ce round-là d'un petit peu de technicité. Et c'est dommage parce que. Oula, Dim, j'ai pas envie de supprimer ma vidéo. Assassin tactique, bing, ça sort. L'assaut, on prend la décale, on prend. Nous aussi, on sait faire des quick décales. Hein. J'ai l'impression que ma sensi elle est trop lente alors que pas du tout. Ils sont tous bloqués, va falloir commencer à profiter pour monter. Attention, on monte. Mort. Tu m'expliques où je suis spot? Je l'ai pas vu! Il a sauté sous mon viseur. Non, normalement, il m'a vu en mode face décale. Ah ouais, ok. Donc il savait que j'étais là, il s'est baissé. Il m'a carrément pris shot en fait, j'ai tout pris dans la gueule, c'est normal que je l'ai pas vu. J'ai vraiment pas fait exprès. Faut vraiment qu'on se donne pour le poulet parce que j'ai pas envie de perdre ma vidéo à une de mes vidéos à 100k et j'ai pas envie que Treko il perde son 8-1 parce qu'il est en train de charbonner comme un fils de pute et clairement ça se fait pas. Treko, situation de clutch qui tente le move compliqué, 2 par la construction qui prend la décale sur l'escalier. Carton tout simplement, il décale dans le trou de rotation qui est à sa droite. En général les casters ils accélèrent énormément, tu comprends pas toutes les informations. Il est en train de prendre la décale, il va rotaler sur la fenêtre pour prendre le pic tout simplement sur le BPA. Top construction, bah, a-t-il croisé quelqu'un? Il l'a vu à sa droite, top garage. Le move qui ne payera pas pour le joueur français qui décale sur le bandit qui prend une énorme tête. Va-t-il réussir à trouver ce dernier petit Jäger? Il prend un maximum de dégâts sur le mur électrifié tout simplement. Le Jäger, où se cache-t-il le petit Jäger? C'est effectivement un petit fils de pute. Et Justin Bieber, Justin Bieber arrive à tuer Treko qui gâche tout simplement son 10 kills. Qui a charbonné deux fois plus que nous et c'est terriblement dommage. Treko, try again next time. Alors on va essayer de le couvrir pendant qu'il renforce le mur simplement en préchantant un petit peu le garage. Il va tout simplement abandonner la position, on ne va pas pouvoir jouer ici. Donc je vais reculer un petit peu en évitant de prendre des balles tout simplement. Retourner sur BP au niveau du Banditrix. Ou peut-être tout simplement dans l'office. J'ai entendu un round de Twitch. J'ai très peur, j'ai terriblement peur de prendre une grenade dans mes pieds là. Montre-moi ce que tu sais faire. Ça en général ça marche bien ça. Tu te mets là. Personne t'attend ici. Regarde. Hop! Je suis caché. Attention. Nice second! Nous avons très bien joué, c'était compliqué comme situation, mais nous avons réussi. Seulement 5 kills pour moi, toutes mes premières games sont ridicules, c'est ouf. Dommage. Prochaine fois, vous viendrez me voir en stream sur Twitch, où là vous verrez peut-être éventuellement des gameplays incroyables à la Treko. Merci tout simplement Treko d'avoir sauvé cette vidéo et d'avoir permis à White Shark de garder sa vidéo à 100 000 vues, ça me fait extrêmement plaisir. C'est cool, du P1, du diamant, c'est du bel elo tout simplement. Hein. On a les épaules pour assumer ici. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes pour qu'on puisse faire un épisode 2. Je vous laisse me suggérer le jeu dans les commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche des notifications. Et suivez-moi sur Twitter pour effectivement que je puisse vous notifier quand les vidéos sortent. Et toutes ces petites choses, les giveaways, l'éponge coco qu'on prendra avec les abonnés.
lors des rencontres abonnées, je ne sais pas. Et moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vais aller me branler, puis c'est terminé. Ciao tout le monde, peace. Down, 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 down